Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui sur Kingdom Hearts Chain of Memory. C'est parti, on va lancer. On va lancer, donc dans cet épisode-là, on s'est arrêté à ce qu'on avait affronté le boss, on l'avait battu, le boss de l'œsophage, là, de l'estomac de Monstro, j'ai oublié son blaze. Et là, on devait se diriger vers je sais pas quel endroit comment dire, refaire du remue-ménage dans l'estomac de Monstro et sortir. Donc moi, ce que j'ai prévu de faire dans cet épisode, c'est du farming. J'ai envie de farmer des XP parce que le combat contre le boss, il était un peu tendu. Tu vois, je manque de PV, je manque de PC. J'ai envie de monter de niveau pour justement pallier à ça. Donc j'ai décidé que justement, on allait avancer dans le manoir Oblivion parce que là c'est que des 5 heures qu'on va affronter, donc le prochain boss c'est dans un moment quand même. Donc on peut un peu se détendre la nouille et on va avancer vers le lieu final. Et en avançant vers le lieu final, on va utiliser des cartes de chambre, des cartes de lieu pour justement affronter des monstres sur le chemin. Pour affronter des 5 heures. Donc on est parti pour un épisode de 30 minutes. Donc je vais essayer de parler dans la vidéo. Je fais pas attention à eux, ils peuvent m'enchaîner. À l'aise. Ok, c'était un combat dynamique. J'ai bien aimé. Là, je suis un peu dans la zone là. Je vais essayer de connaître. Ah, eux, ils sont durs. À l'aise. On monte vite de niveau pour le moment parce que j'ai un peu rush le jeu, tu vois. Les boss, ils sont pas si durs que ça en réalité. Le jeu, il est assez simple, c'est une suprématie des cartes. J'ai pas vu personne. Quelle idée de faire un prochain contre des trucs aériens aussi. Ouais, donc du coup, alors attendez, excusez-moi, je vérifie que je suis bien dans le champ, tac. Ouais, du coup, comment dire, c'est. Ah, j'ai plus de cartes lieux qui apparaissent à la fin des combats, j'ai plein de cartes lieux. Donc on va s'en servir pour repasser dans les pièces comme c'était prévu. Ouais, comme je disais, le jeu il est facile, c'est de la suprématie des cartes. Hein. Si j'ai que des cartes niveau 9 dans mon deck, je gagne tous mes combats de cartes. Hein. C'est laquelle je devrais me méfier, c'est les 0 et les fusionnés.
On peut même pas de relâche vers le haut. C'est dommage. Ok, là, au prochain combat, il faut que j'utilise mon sort de soin. C'est bon, là, on a battu tout le monde. À l'aise. Là, il faut maintenir l'attaque. On est monté de niveau. Ok, donc on va augmenter les PV. Elle est grande cette pièce, un coup agressif, c'est une grande zone. Faut que je le note. Et allez, on a fait tous les tonneaux. Là, on va essayer de voir au milieu, c'était fait, c'était fait. On a tout fait, let's go la salle suivante. Ok, 2. Profiter, on va utiliser ça parce que sinon jamais je m'en servirai. C'est un coffre, mais soin 1, tellement inutile. 3, on va remettre coin agressif. Ah, peut-être que j'ai atteint un nombre limite d'ennemis parce que là ça fait deux fois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, des loups-bars, mes meilleurs amis. C'est pas lui que je voulais que tu vises. Ça va être un combat compliqué là, les loups-bars. Je pensais pas qu'il me rendrait la tâche aussi compliquée, mais ça va, j'ai la manette.
Putain, je les ai gérés avec les cartes. Faut que je place mes cartes de manière à faire des combos. Une fois que j'ai fini cette salle, je vais modifier l'ordre de mes cartes par rapport aux capacités que j'ai. Faut que chaque fois que je passe triple carte, ça me fasse une capacité. Parce que j'ai pas mal de capacités, j'ai appris des tours mais je m'en sers pas. Voilà, on va le faire là. Alors carte lieu, état peut-être. Donc ça là je peux la faire, coup de grâce. Trois combos à la suite, glissade. Trois combos à la suite, trois cartes d'attaque différentes, valeur totale 10-15. Ce que je peux faire. Non. Dôme d'impact. 3 cartes attaque similaire, 20-23. Alors, voir les jeux. 3 similaires, 20-23. 14 plus 6, 20. Ok. Je peux le faire. État. Jusqu'au bolos, lui aussi je peux le faire, mais il faut que je l'ai déjà fait, mais il faut 3 cartes d'attaque, valeur totale 24-26. On va essayer de le mettre là. Alors, ça fait 16-16-22. 22-18-10-20. -27-27-22-25. Vas-y, go. On va tester ces différents combos dans un combat. Là, j'ai utilisé. Là, c'est juste que. Ça fera 19 avec un 5. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. C'est parce que dans ma tête, je suis revenu à Disco Bolos. C'est déjà fini les combats? Moi, j'ai une posture qui est vraiment mauvaise quand je joue. Faut que je me force à avoir une bonne posture. Pour ça que j'ai développé une scoliose dans mon enfance. Parce que j'avais une mauvaise posture. Bon, là, j'ai fait tous les combats de cette salle, apparemment. Et la suivante. Hein. Allez, c'est parti pour l'histoire. Visiblement, on ne peut pas aller plus loin. Vous êtes prêts? C'est le moment de passer à l'action.
Ce sera plus facile si on avait quelqu'un à combattre. Quel timing? Jusqu'où on a besoin d'eux? Ok, donc là j'enchaîne les combats contre les 5 heures jusqu'à ce que Monstro il nous dégueule. Pire que plus efficace pour un lavage d'estomac, la Keyblade de sang, je rentre dans votre estomac. La barre brille et tout, c'est pas fini. À l'aise. Quoi encore? C'est le plan. Ça marche! Monstre va éternuer! Maintenant, je sais ce que c'est d'être un boulet de canon. Où sont Pinocchio et son père? Ils ne sont plus là. Ils ont dû réussir à sortir. J'ai fait la mauvaise note tout à l'heure. Sans toi, Jiminy, je croyais. Sans toi, Jiminy, je croyais qu'on ne pouvait échapper à sa conscience. Peu importe si je reste seul, tant qu'ils sont sains et saufs. Pinocchio n'a peut-être pas besoin de moi après tout. Que veux-tu dire? Ce petit pantin avait des difficultés à distinguer le bien du mal, mais il a fait du chemin. Je ne suis sans doute plus indispensable. Il sera mieux sans Jiminy Cricket qui lui fait sans arrêt la morale. Tu as oublié ce que. Tu as oublié ce que a dit Geppetto? Il n'y a rien de tel que d'être avec quelqu'un que l'on aime. Je parie que Pinocchio compte les heures jusqu'à votre prochaine rencontre. Oh, tu crois? Tu as peut-être raison. Et à l'aise. Bon, il y a une phase du monde quoi, dans laquelle on n'aura jamais voyagé. Mais voilà, on y est, on a fini, on va continuer à progresser dans le manoir Oblivion. Là, je crois qu'il me reste un monde. Je crois que j'ai encore le monde d'Halloween. Avant d'affronter l'Arxen. Et Sora, tu te souviens. Et Sora, tu te souviens d'autre chose au sujet de cette fille? Oui, des petits détails. Parle-nous-en. Parle-nous d'elle. Ça t'aidera peut-être à recouvrer la mémoire. D'accord. Et elle était très douce et passait son temps à dessiner. Lorsque nous allions tous nager à la plage, elle préférait la dessiner. De temps en temps, elle nous prenait pour modèle, nous aussi. Elle était très douée. Parfois, Riku et moi, on se battait pour qu'elle fasse notre portrait. Mais un jour, elle est partie, comme ça, sans prévenir. Je crois que nos parents savaient pourquoi. Peut-être ont-ils voulu me l'expliquer. Mais j'étais petit et je n'ai pas dû comprendre ce qui se passait. Je me souviens avoir pleuré après son départ, mais c'est tout. Impossible de me rappeler son nom. Il y a encore quelques minutes, tu te souvenais de rien. Continue comme ça, et son nom va te revenir très vite. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Sora se souvient de choses au lieu de les oublier. Peut-être qu'oublier les choses est le seul moyen d'atteindre les souvenirs complètement enfouis. Tu veux dire qu'il faut oublier pour se souvenir? C'est ce qu'a dit l'homme en noir. Nos plus précieux souvenirs sont enfouis au fond de nos cœurs, hors d'atteinte. Toute cette histoire de trouver, c'est perdre, et perdre, c'est trouver.
Je n'avais pas saisi au début, mais c'est peut-être ce qu'il voulait dire. C'est injuste! Et pourquoi nous? On ne se souvient toujours de rien! Parce qu'on n'est pas les protagonistes. Allez, Dago! Faut qu'on avance pour tout oublier! Je vais voir ce qu'elle raconte. Oh! Si seulement j'avais des tas de souvenirs enfouis à me rappeler! Et toi, Dago, tu te souviens de plus en plus de choses. Son nom finira bien par te revenir à l'aise. On dirait que les souvenirs de Sora ont pris racine, comme nous l'avions prévu. Voyons jusqu'où ira ce gamin. On commence une autre partie? Seulement si c'est à moi de jouer. Tu t'es déjà amusé au premier palier. N'oublie pas, Larxène. Notre mission est de livrer, et de le livrer en un seul morceau. Je sais, mais j'ai bien le droit de m'amuser un peu avant, non? Ne l'abîme pas. C'est ton chouchou ou quoi? C'est presque l'un des nôtres. Je ne vais pas casser notre jouet, Axel. Juste l'asticoter un peu. Je ne suis pas idiote. Une personne avertie en vaut deux, souviens-toi. Sora est la clé. On a besoin de lui pour prendre le contrôle de l'organisation. Alors tu es aussi dans le coup? Tiens ta langue jusqu'au moment opportun. C'est toi qui aurais mieux fait de te taire, Larxène. Ah! Ça mérite que je vous télécharge 358 slash 2D après une chain of memory. Ah, j'ai pas vu. Ça doit être agaçant d'avoir des souvenirs sans pouvoir y associer un nom. Oui. Bon, ça va s'arriver. C'était pas clé. C'était pas un dialogue clé. On va sauvegarder déjà pour commencer. Et on va avancer dans le prochain monde qui est le monde d'Halloween, je crois. Et ouais. Let's go. Oogie Boogie, c'est un boss facile. Oh, je n'aime pas cet endroit, je parie que ça grouille de fantômes. Bah alors, pourquoi tu t'en fais? Tu n'auras pas peur puisque tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu crois vraiment? Fais-moi confiance. Bienvenue dans la ville d'Halloween. Ah, un fantôme! Oh, c'est le plus beau cri que j'ai entendu depuis des lustres. S'il est si facile de vous faire peur, je vais bien m'amuser. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Jack Skellington. Jack Skellington, motherfucker! Halloween est ma ville. Je suis le roi des cauchemars, le maître de la terreur. Vous êtes au bon endroit si vous cherchez l'effroi et l'horreur. Ce n'est pas le cas. En ce moment, nous avons un petit problème à Halloween. Quel genre de problème? Eh bien, un problème de ce genre. Ah! Passe-t'en! Ah, je deviens fou, les gars. J'ai eu un spasme de folie là à l'instant là. Ah, il tape à 6. C'est tout? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as appelé les sans cœur? Je ne les ai pas appelés en fait. J'aimerais bien m'en débarrasser. Les sans-cœur attaquent les gens au lieu de se contenter de leur faire peur. Pourquoi sont-ils là? J'allais justement poser cette question au docteur Finkenstein. Je vais
Allez le voir dans son laboratoire, suivez-moi. Sora, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on devrait le suivre. Je n'aime pas ça. Et s'il nous menait directement dans les griffes des 5 heures? Bravo, vous avez tout compris. Je plaisante. Allons-y. Appris terreur, clé d'ouverture. À l'aise. On va se débarrasser des 5 cœurs de ce secteur. 100 cœurs dans le secteur A, je répète, 100 cœurs dans le secteur A. J'ai besoin d'un Sora. J'ai besoin d'un Sora dans le secteur A. Des momies. C'est même pas drôle maintenant. C'est même pas drôle. J'ai pas d'humour, putain. J'ai pas d'humour. Bon, les plantes étape 6. Étape 6, elles ont des cartes à 6. Ok, fleur bloquante. Avant j'avais une carte, la carte ombre. À l'aise. Ok, ça va être une zone intéressante à affronter, je pense. Parfois on monte de niveau. On va utiliser Jack pour la première fois. Il a tapé un salto juste avant. Dieu de magicien. On va augmenter les PC, tiens. J'ai pas peur de Guibouguillon, en fait. Let's go. Le sang-cœur qui m'a plus cassé les couilles, il m'a ignoré en plus. Bon, c'est maintenant la fin de la vidéo, on va s'arrêter là. La prochaine pièce que je vais faire, c'est une salle sécurisante. Même si ça fait gaspiller, au moins comme ça, je resterai à l'intérieur du manoir. C'est passé vite, l'air de rien, ouais. Je pensais que je verrais pas le temps s'écouler. Mais non, c'était cool. Bon, on a monté de quelques niveaux. À l'aise. Bah, je pense qu'on va le gérer, le monde d'Halloween. Je pense qu'on va le gérer. Bref, on va faire un espace sécurisant. Niveau 2, parfait.
Je vais sauvegarder et je vais vous laisser là. Hein. Sur ce, c'était Raigar. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.